Il faut résoudre ici l'équation 2x-3 divisé par 4x est égal à 0. Alors, nous n'avons pas le droit de diviser par 0. Hein, la division par 0 n'existe pas. Donc, il faut absolument, avant de résoudre l'équation, que le dénominateur 4x soit différent de 0. C'est-à-dire, en divisant par 4, x doit être différent de 0 sur 4, c'est-à-dire x doit être différent de 0. Hein. Donc, on y va pour la résolution. Donc, résoudre 2x-3 divisé par 4x est égal à 0 revient à résoudre 2x-3 est égal à 0. Hein. Vous ignorez ici le dénominateur. Donc, ça équivaut à résoudre 2x-3 est égal à 0. Vous transposez ici moins 3, ce qui vous amène à 2x est égal à plus 3. On divise par 2, puisqu'ici le 2 est multiplié. Et j'obtiens x est égal à 3/2 en écriture fractionnaire. Vous voyez bien ici que 3/2 n'est pas égal à la valeur interdite 0. Donc la solution de cette équation, c'est bien x est égal à 3/2.